En ce début du 21e siècle, la Terre est complètement polluée par l'énergie nucléaire. Aussi, les nations ont-elles confié au BAER, Bureau de recherche sur les énergies avancées, le soin de trouver le produit miracle. Les moyens de prospection les plus sophistiqués sont utilisés. Mais le lobby de l'industrie nucléaire, regroupé sous le sigle NEO, a financé clandestinement un groupe de mercenaires chargés de retarder la mise en place des énergies nouvelles. Messieurs, comme vous le savez déjà, à 700 km au sud-est de Terre-Neuve a été localisé le plus important gisement de praxilium de tous les temps, situé à 5900 mètres de profondeur. Pour l'exploiter, nous avons construit une station de forage spécialement adaptée à cet environnement et des unités de pression s'échelonnant de 0 à moins 3500 mètres afin d'en faciliter l'accès. Deux sous-marins assurent le transport de cargaison et de personnel entre les différentes stations HP. À moins 3500 mètres, HP5 est la dernière station habitée avant la tête de forage entièrement automatique. Nos caméras de surveillance ont enregistré l'explosion de la tête de forage. C'est catastrophique. Oh mon Dieu, c'est impossible. Je parie que c'est encore un coup de Néo. Mais les enregistrements ne montrent absolument rien. Néo ou pas, il faut récupérer à tout prix la tête de forage. Nous devons impérativement envoyer une équipe de choc. L'avenir de la planète est en jeu. Seul l'USS Storm est assez performant pour descendre à cette profondeur. Je suis sûr que Néo va tout faire pour saboter la mission. Réunissez votre meilleure équipe pour cette mission. Nous comptons sur vous. Bonne chance. Vous attendez. Les équipes de surveillance signalent une forte activité des commandos de Néo. Bienvenue à bord de l'USS Storm, commandant Steele. Veuillez noter que BAER a jalonné le parcours de conteneurs d'équipement. Il est probable à 90% que Néo les ait découverts et nous ait tendu des embuscades à proximité.